Bonsoir à tous et bienvenue donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo spéciale bourse avec un petit bilan de la bourse de Saint-Aquilin de Passy ainsi que de celle de Vichy qui vient de se finir. Donc là je suis actuellement sur la route pour rentrer de Vichy, donc il se fait un peu tard. Donc là on va d'abord démarrer par la bourse de Saint-Aquilin. Alors c'est une bourse qui est un peu spéciale pour moi parce que c'est là-bas que j'ai débuté les bourses tout simplement il y a maintenant 2 ans. Donc c'est toujours un peu spécial, c'est une bourse vraiment petite, calme et tranquille, donc ça fait un petit peu une reprise en douceur. Et c'est un peu une bourse un peu tradition puisque c'est une bourse que même les crocos n'ont pas lâché alors qu'ils avaient l'ambition de grandir en allant à Gargenville. Donc ça prouve l'importance de quand même de cette petite bourse qui quand même accueille quand même pas mal de personnes pour son emplacement, pour là où elle se trouve, attire quand même pas mal de visiteurs locaux qui ont envie de découvrir aussi les reptiles. Et puis les exposants sont toujours au rendez-vous, alors pas forcément des très très grands noms de la terrophilie, mais comme des noms importants, que ce soit dans le vente du matériel, dans les ventes d'insectes ou autres. Donc c'est vraiment sympa, en plus on rigole bien, c'est très convivial, la petite raclette du samedi soir bien sûr traditionnelle, donc vraiment sympa. Donc cette année, pas énormément de visiteurs non plus, et quand même pas mal de creux, mais bon après voilà, c'est la reprise en douceur. La petite tombola était vraiment sympa aussi, ça permet de gagner des petits cadeaux assez sympathiques. Bon, moi j'ai pas de bol, j'ai gagné des cadeaux pour femmes. Bon, j'ai pas de bol, ça arrive. Mais sinon, voilà, l'idée de la tombola est vraiment sympa, l'organisation est vraiment carrée. On a toujours, dès qu'on a besoin d'un coup de main, un des crocos est là pour nous, pas pour nous bouffer, mais pour nous aider un petit peu. Donc non, c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien. Ensuite, la bourse de Vichy, donc Bellerive-sur-Allier plus précisément. Alors c'est une bourse qui m'a assez étonné. Alors c'est la première fois que j'y allais. Il y a eu énormément de monde, environ 3000 personnes d'après les premières estimations que j'ai pu recueillir. Alors après c'est pas les estimations officielles, donc il se peut qu'il y ait plus, mais vraiment beaucoup de personnes. Ça attaquait dès le samedi matin et en fin de compte ça, il y a eu un flux permanent de visiteurs, et pour nous exposants c'est vraiment quelque chose de sympa. En plus c'était la première fois que j'exposais des animaux, donc des petits geckos léopards, donc deux petites femelles, donc tic et tac. Ça s'est très bien passé, d'ailleurs ils m'ont totalement piqué la vedette sur le stand, donc c'était bien sympa. Elles ont vraiment assuré le coup, se laisser manipuler, il n'y a pas de problème. Quand elles étaient fatiguées, elles savaient qu'il fallait se reposer, donc c'était vraiment. Elles ont vraiment bien géré, comme des stars quoi. Elles méritent leurs insectes en rentrant. Donc franchement c'était sympathique, donc, beaucoup de visiteurs, beaucoup de personnes, donc d'amis à revoir, donc Nad notamment, l'équipe de l'ATM, l'équipe de Terra Rionièvre, Jacques de Terra Resp également, Jordan, Reptilique Gecko. Voilà, il y a encore plein de monde, hein, donc je peux pas citer tout le monde parce que bon, sinon on n'en finirait pas et il y en aura pour des heures. Mais c'est toujours plaisir de revoir d'autres exposants qu'on croise vraiment très peu. Il y a toujours une bonne entente, de l'entraide quand il faut. Donc non, franchement, c'était sympa. L'équipe d'organisation de la bourse, elle aussi était vraiment très bien. On a été très bien accueillis le premier soir. Ils nous aident à décharger s'il fallait. Ils nous aident à mettre sur le, enfin, ils nous aident sur beaucoup de points. Donc c'était vraiment sympa. Le petit repas aussi entre exposants, le petit apéro dinatoire qu'ils ont fait, c'est vraiment convivial, vraiment sympa. Ils ont utilisé aussi la méthode des verres consignés de l'ATM, donc c'est vraiment sympa. Donc ça peut faire un petit souvenir de la bourse à pas cher du tout, c'est vraiment pratique. Moi qui aime bien collectionner ce genre de souvenirs, je garde notamment les souvenirs, donc avec soit un bracelet comme celui-ci ou un programme où le nom est cité. C'est juste pour mes archives personnelles, pour dire que voilà, j'y étais. Donc c'est vraiment sympa ce qu'ils font. Donc vraiment beaucoup d'entrées et de bons exposants qui avaient beaucoup de choses à proposer. Je pense que ça manquait un peu d'insectes parce qu'en faisant le tour j'ai pas réussi à trouver de quoi faire, donc c'est pas bien grave, mais après voilà, c'est une chose qui peut être corrigée par l'exposant en question, les exposants qui avaient des insectes, parce que j'ai pas trouvé mon bonheur. Mais après je suis peut-être passé trop tard aussi, c'est possible. Mais sinon hein, c'était vraiment sympa, beaucoup de monde et beaucoup de rencontres aussi. J'ai pu voir Coco d'un groupe où je suis administrateur, qui m'a fait le plaisir de venir me voir et goûter mes chocolats, donc j'espère qu'elle va les aimer. Ensuite j'ai pu voir re-rencontrer et revoir un youtubeur connu, on va dire. Il a démarré sa chaîne il n'y a pas très longtemps, il a pas mal d'abonnés, mais voilà, il grandit encore quoi.
Mais non, j'ai pu revoir donc Buster de la chaîne Reptilome, hein, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'était sympa de le revoir, on a bien déliré, on a bien parlé. Il a encore filmé le stand pour me faire plaisir, on va dire. Parce que, puis bon, en même temps pour faire parler un peu de la bourse au passage. Donc c'était vraiment sympa. Et puis en plus, on a une petite vidéo de notre ami Buster hein, que je vous mettrai en bonus après le générique. Comme ça, vous pourrez voir un peu quel est le phénomène. Mais sinon, et puis c'est en plus un de mes plus grands fans, il me l'a montré sur la vidéo, donc vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui est, bah, j'ai pu rencontrer un abonné aussi de la chaîne. Alors c'est la première fois que ça m'arrive, ça surprend un peu, mais c'est vraiment sympa de voir que bah, les abonnés viennent aussi voir sur les bourses où on est, discuter. Voilà, c'est vraiment sympa. Donc même si je suis pas spécialement un youtubeur reconnu, j'ai que 114 abonnés, je crois, donc c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Plaisir que le travail qu'on fait est quand même apprécié, surtout qu'on y passe forcément du temps, que ce soit pour filmer, que ce soit pour trouver les plans, le bon montage et tout. Bon, le plus de temps passé, ça restera à uploader la vidéo sur YouTube, mais bon, ça après, c'est le jeu, hein. Mais non, sinon, c'était vraiment sympa, j'étais agréablement surpris. Par contre, je pense que si j'y retourne l'année prochaine, ce qui risque d'arriver, je changerai d'hôtel pour Vichy. Parce que j'ai eu un petit désagrément dans la nuit de samedi à dimanche. Et une bande de jeunes abrutis est venue taper au volet des chambres. Parce que les chambres donnaient sur l'extérieur. Ils sont venus taper au volet des chambres, taper sur les portes, gueuler comme des putois là. Je sais plus, ils avaient envie de faire chier le monde, quoi. Donc la police est venue une fois, leur a dit de se calmer, les a fait partir directement. Mais ils sont revenus quand même. Donc ça a duré cette histoire jusqu'à 4h30 du matin. Donc pour dormir, c'était pas terrible, suivant que bah, je venais d'avoir déjà une journée de bourse, j'avais déjà la suivante. Donc c'était pas l'idéal. Donc bon, je l'ai un peu subi. En plus, dès qu'ils se sont barrés les jeunes et la police, c'est les oiseaux qui se sont mis à piailler dans tous les sens. Sans compter Tic qui se mettait à gratter un peu partout, donc c'était vraiment pas terrible aussi. Il était dans la boîte et dans sa boîte Braplast et sa boîte polystyrène et je l'entendais quand même gratter. Donc bon. Donc c'était vraiment pas la meilleure des nuits. Bon, j'ai quand même tenu bien la journée, l'air de rien. Je sais pas ce qu'ils avaient mis dans le café à l'association de Thermophiles de Vichy, mais ça a tenu le coup. Hein. Mais voilà, donc après c'est le petit désagrément. Donc l'hôtel, je pense que je prendrais plus le Ibis Budget, qui est beaucoup plus près et peut-être un peu plus cher, mais j'irais peut-être la tranquillité et pouvoir me reposer, parce que l'air de rien, ça fatigue, parce qu'il faut... Moi je suis arrivé le vendredi. Le vendredi, je me suis déjà levé tôt pour les visites médicales de Tic et Tac. En plus... J'ai dû tout préparer, tout finir de préparer. J'ai pris la route, donc 3-4 heures de route. En plus, en arrivant après 3-4 heures de route, bah pas le temps de se reposer. J'ai juste passé chercher la clé d'hôtel et après c'est l'installation du stand. Donc il y en a à peu près, bon moi ça va, si j'y vais tranquillement, il y en a pour 1 heure. Mais voilà, après j'aide aussi d'autres exposants s'il faut. Alors voilà, c'est l'entraide aussi sur place. Donc ça épuise quand même pas mal. Après, il y a le petit repas dînatoire, donc ça a fait partir un peu plus tard, donc me reposer un peu plus tard. Donc après, le temps d'arriver à l'hôtel, de se reposer, la première nuit, il m'a aidé un petit peu, mais la seconde, c'était totalement pourri. Donc voilà, bon après c'est peut-être un cas isolé, mais voilà, ça me fera réfléchir sur ce type d'hôtel pour la suite. Mais bon après, voilà, c'est les petites anecdotes d'exposants qu'on peut trouver. Donc après, oui, c'est vrai que quand vous allez en bourse en tant que visiteur, vous n'avez pas la même vision que nous en tant qu'exposants. Alors moi, j'ai eu la chance de faire les deux côtés. J'étais en visiteur à mes débuts, donc quand j'ai dû commencer les bourses, je crois en 2013 de mémoire. Je me demande si j'ai pas commencé fin 2012 d'ailleurs. Juste une petite visite comme ça. Alors je filmais un petit peu les bourses, je prenais des photos à l'époque. Mais voilà, j'avais la vision visiteur. Je trouvais certains prix trop chers. Enfin bon, j'étais toujours en train de râler. Après, je trouvais certaines qualités pas forcément top. Enfin bon, c'est voilà le petit côté du visiteur qui pas qui chipote, mais qui voit son portefeuille et qui voit. Bah, ce qu'il a besoin et qui voit qu'il sera toujours juste ou vraiment qu'il aura pas assez, quoi. Donc juste ce côté-là. Et là j'ai le côté exposant, donc j'ai appris certains trucs, donc avec Sylvain, Nat notamment, parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, donc pour Tortue Mania et Onios Concept. Donc j'ai pu apprendre un peu comment ils fonctionnaient, pourquoi les prix étaient si élevés pour eux. Parce qu'il faut savoir que quand eux ils achètent un produit,
ils doivent payer quand même leurs impôts dessus, les taxes. Ensuite, ils ont, bah, s'ils sont entrepreneurs, le RSI à payer derrière, donc ça aide pas non plus. Donc TVA plus RSI plus en plus, il faut qu'ils se fassent quand même une petite marge. Ils peuvent pas vendre non plus à prix coûtant, parce que sinon ça sert à rien de créer une petite auto-entreprise, quoi. Si c'est pour rester stagnant ou couler, c'est pas le but du jeu. Donc c'est vrai que pour certains prix peuvent nous paraître chers à nous d'un œil visiteur, mais d'un œil exposant, pour eux ça leur paraît abordable. Donc voilà, après c'est au niveau des prix, parfois c'est bon, il y a toujours moyen d'essayer de négocier en bourse, hein, ça peut passer ou pas. Mais tout le monde ne peut pas forcément négocier ou avoir des tarifs super bas pour certains trucs. Voilà. C'est la petite parenthèse entre exposants, quoi. Mais sinon, oui, le côté exposant, si un jour on vous propose l'occasion d'exposer à une bourse, soit pour vendre des animaux, vos propres animaux, donc non soumis à CDC bien sûr, hein, non soumis à l'AEA non plus, parce que l'AEA ne permet plus de vendre maintenant, il faut être capacitaire. Vous pouvez vendre des animaux donc qui sont forcément pas avec une législation forte ou protégés. Donc ça peut être une bonne chose pour vous, soit pour faire connaître votre début d'élevage, soit pour voir un peu l'envers du décor, ou voilà, ce serait vraiment ça pourrait vraiment vous profiter, puis vous pourrez vous vraiment voir une chose différente. Parce que certains exposants sont vraiment cool et vraiment sympas, et voilà, c'est. Ça vaut vraiment le coup de passer de l'autre côté du stand, on va dire. Puis voir tout le travail qu'ils font derrière, entre l'installation, machin, donc ça prend énormément de temps. Donc voilà. Voilà. Sinon, c'est la fin pour cette vidéo. On va finir avec une petite partie filmée de d'abord la bourse de Saint-Aquilin, dans une petite séquence, et après une petite séquence de la bourse de Vichy. Voilà. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah ouh ! Qu'est-ce que je fais, moi ? Thank you.
vrai que c'est, ouais, ça n'a pas démarré autant, mais c'est toujours comme ça le dimanche, hein. Partout. Hein. J'aurais dû filmer ça.